Coucou les filles! Et si on se faisait un podcast association tissu patron? Ça serait pas mal. En fait, j'ai hésité à vous faire un haul ou à faire ça, cette présentation d'association patron tissu, et je suis partie sur l'option que vous êtes en train de regarder parce qu'en fait, ça m'aide beaucoup, moi, dans mes cousettes. Ça me fait gagner du temps, j'ai pu réfléchir à mes projets, ils sont déjà établis, j'ai choisi les tissus en fonction de ça pour la plupart. Et puis, quand j'ai du temps de libre, je fonce directement sur un projet qui m'intéresse et que j'ai déjà pré-sélectionné. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. En dessous, en barre de description, une adresse mail pour m'écrire. Vous pouvez aussi me contacter par Insta, en DM, je réponds à tout le monde, du moins j'essaye. Avant de commencer, ce que je porte, si vous me suivez, vous l'avez reconnu, c'est la robe Sophia de Bleu Tango que j'ai cousue dans le livre Ma garde-robe éco-responsable. C'est un livre qui m'avait été offert par ma petite mercerie et j'en avais cousu deux modèles de cette robe Sophia. C'est dans un podcast, je vous en mets le lien si ça vous intéresse, et il faudra aller regarder. Le tissu, c'est une viscose de chez DS, dont je suis quand même assez fan. C'est une viscose qui ne se froisse absolument pas dans tous les sens. Alors je ne sais pas par quel miracle c'est possible que des viscoses se froissent pas dans tous les sens. Mais en tout cas, celle-ci, c'est le cas. J'ai pas 2 heures de repassage sur la robe, ça va quand même assez vite. Alors évidemment, je la fais sécher sur un cintre, mais je suis absolument pas embêtée pour le repassage. En tout cas, pas plus qu'une autre pièce. Donc voilà, parenthèse. Alors au cours du mois de mars, oui, on est au mois de mars. Au cours du mois de mars, j'ai quand même réalisé quelques achats de tissus et de patrons. Alors oui, c'est un petit peu contraire à mes bonnes résolutions, mes bonnes intentions de début d'année, mais c'est pas grave parce que, en fait, chaque tissu ou patron que j'ai acheté, j'ai tout de suite pu l'associer justement à soit un patron, soit un tissu, à presque chaque, voilà, presque chaque. Et c'est des choses que j'ai vraiment envie de coudre. J'ai quasiment presque rempli tous les objectifs que je m'étais fixés dans la première vidéo d'association patron tissu. Il m'en reste quelques-uns, j'ai quand même envie de les réaliser, ils me font vraiment envie. C'est juste que j'ai manqué de temps, d'envie, de motivation pour ces projets-là, mais je les ai pas pour autant rangés au placard, en tout cas pas tous, il y en a vraiment que je compte faire. Donc vous allez voir, c'est peut-être un petit peu ambitieux, il y a beaucoup de projets que j'ai en tête, que j'ai envie de voir réaliser sur les 3 prochains mois. Parce qu'on va dire que je vais fonctionner de cette manière. Une association patron tissu par saison, ça me paraît pas mal. Ça fait à peu près, je crois, une vingtaine de tissus, une vingtaine de projets. Je sais pas si je vais tous les tenir. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que ça vous paraît tenable? J'ai changé beaucoup ma façon de m'organiser aussi en couture. Sachant que maintenant, je peux quand même coudre un peu le soir. Alors, si c'est à la surjeteuse, c'est un peu plus délicat. Si c'est à la machine à coudre, je peux quand même. Donc il y a des choses que je peux avancer le soir, pour le soir d'après par exemple, ou si j'ai une matinée de libre, je peux vraiment faire que de la couture. J'ai aussi lavé tous mes tissus, donc ça c'est pareil, ça fait un gain de temps pas possible. Quand vous avez envie de faire un projet, vous le prenez, votre tissu est propre et c'est parti. Là ils ne sont pas encore tous repassés, tout ce qui est coton, coton blanc, ça sort de la machine et ça vient d'être sec et j'ai pas pris le temps de les repasser avant la vidéo. Bon écoutez, c'est pas grave, sinon cette vidéo je ne pouvais pas la tourner, j'aurais manqué de temps. Alors en mars, c'était aussi le salon aiguille en fête que j'ai pu faire avec des copines couture. C'était surtout ça l'occasion, c'était de se retrouver pour un déjeuner, pour passer un moment ensemble. J'étais avec, j'étais avec Laurie, avec Péroline, avec Adriana, avec Kiki et avec Cathy. Donc ce sont des filles que j'ai eu la chance de rencontrer chez Marion et même avant, puisque Cathy, on s'était vu sur Paris avant les premiers week-ends couture. Alors avant de nous rendre au salon, on est allé faire un tour chez Stop Tissu et ça va faire l'objet de quelques projets que je vais vous présenter. J'ai aussi acheté sur le salon quelques patrons, donc des patrons de Clematis Patterns. Petit retour très bref sur le salon aiguille en fait. Alors un peu comme le CSF, salon création et savoir-faire, je n'ai pas été hyper emballée parce que j'ai vu, c'était quand même plus axé couture et tricot cette fois, mais il n'y a pas non plus une foule de stands, il y avait assez peu de créateurs je trouve. Alors on a eu la chance de pouvoir quand même passer un petit moment avec la créatrice de Clematis Pattern. C'était une belle rencontre, j'ai bien aimé cette personne, ce qu'elle dégageait. J'ai choisi 2 patrons chez elle, j'aurais clairement pu repartir avec tous, presque tous. Il y a des trucs qui ne sont pas faits pour moi, avec des dos nus, des choses comme ça, mais franchement c'est vraiment des belles choses. Les filles ont quand même acheté un petit peu de laine, je crois que certaines ont pris du tissu, mais on était quand même assez raisonnable. Ce qui comptait pour nous, c'était surtout de nous retrouver. Donc on s'est fait un petit resto. D'ailleurs, je vous déconseille vraiment d'aller à la pizzeria qui est juste en face de la sortie de métro. C'est pas bon, disons-le, c'est pas bon. Alors heureusement, on a quand même pu passer un bon moment, mais c'était pas grâce à la bouffe, ça c'est clair.
Donc pour celles qui se disent une fois de plus j'ai pas pu aller au salon, j'aurais adoré, ah, vous passez pas à côté d'un truc extraordinaire les filles, je pense, j'ai pas l'impression que ne pas y aller vous fait manquer un truc. Voilà. C'est mon ressenti, ce n'est que mon ressenti. Si d'autres parmi vous en commentaire veulent me dire que vous avez adoré ce salon parce que vous y avez trouvé telle ou telle chose, ben dites-le, parce que ça permettra peut-être aussi de faire émerger un autre avis que le mien. Bon, on y va sur ce bilan association patron tissu. Allez, go! Donc le premier que je vais vous présenter, c'est une viscose de chez Dries & Stoffen. Donc c'est un tissu que j'ai eu, je pense, à 3 euros le mètre, hein, ça doit être ça. J'aime bien les couleurs, c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu délavé sur le blanc, là. Alors, celui-ci, je vais faire une blouse. Et c'est un des très rares coupons sur lequel je n'ai pas encore porté mon choix de patron. Je sais pas. J'hésite entre plusieurs. Je vous dis pas lesquels. Vous verrez bien. Mais voilà, je me suis pas encore décidée. J'aime bien les couleurs. J'espère que c'est la viscose, une viscose de même qualité que celle-ci. Et que je galérerai pas au repassage. C'est vrai que ça nous fait toujours hésiter à acheter des viscoses parce que ces étapes de repassage, bah, on a envie de s'en passer. Mais si on prend du coton, bah, c'est pareil, on est bien obligé de repasser. Bon, on verra bien. Une blouse, je sais pas laquelle. Rassurez-vous, le reste de cette association patron tissu va être un peu plus parlant. Alors ça, c'est un lin viscose aussi de chez Dries & Stoffen. Je pense que c'est un tissu à 3 euros le mètre ou peut-être 4 euros. J'en ai pris 3 mètres. Et dedans, je veux faire la robe Paname de Clématis Pattern. Je vais vous mettre photo. Donc là, j'ai acheté le patron pochette et c'est plutôt chouette. Je vais vous mettre aussi le tableau détail pour voir si bah, que vous puissiez vous positionner, si ça peut coller ou pas avec vos mensurations. Alors, j'ai vraiment très envie de tester cette robe. Elle est un petit peu sérieuse, elle fait un petit peu madame. Et je pense que le tissu qu'on utilise pour cette robe va beaucoup jouer sur l'allure qu'on va avoir avec. Donc moi, je l'imagine très bien comme ça, avec mes petites Converse beige basse. Elle va être cousue dans les 3 mois, ça fait aucun doute. Je pense que ça va être une matière sympa à coudre. Et puis, c'est toujours pareil, j'aime ces couleurs-là. Alors, je ne suis pas non plus sortie vraiment de ma palette de couleurs que je m'étais fixée pour l'automne-hiver. J'ai pas pris le temps de refaire l'exercice sur ce que j'avais envie de porter en termes de couleurs et de matière. Peut-être que je ferai cet exercice ultérieurement avec vous pour vous en parler et vous faire un petit retour. Je sais pas encore, il n'y a rien de figé. Là, je suis vraiment allée au coup de cœur. Mais quand c'est sur une robe, en plus, on s'en moque un petit peu puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas devoir lui mettre un haut ou un bas. Donc là, sur la robe, on peut quand même se permettre de faire des pièces fortes puisque ça va être des pièces uniques. Alors, le coupon suivant, c'est un des coupons que j'ai acheté chez Stop Tissu. C'est le même plumetis que j'avais utilisé pour faire la chemise Adrienne d'Urban Ferry. Cette vidéo dont je vous parlais de la formation chemise et je vous montrais toutes les étapes de ma réalisation et ma pleine satisfaction de cette réalisation. Alors avec ce plumetis qui est vert d'eau, je dirais, alors c'est une couleur dont je suis absolument fan, je vais la refaire, cette chemise Adrienne, mais cette fois je vais vraiment prendre tous les codes de la chemise. J'en ai pris 2 mètres, c'était 3 euros du mètre. Le monsieur de chez Stop Tissu est très généreux. J'ai pas revérifié le métrage après lavage, mais j'imagine qu'il y a un peu plus de 2 mètres. De toute façon, il faut 2 mètres pour la chemise Adrienne. Donc cette fois, je vais la faire avec dos chemise. Donc il va y avoir la méthode du burrito. Donc je vais pouvoir retester cette partie de la formation que j'avais un petit peu abandonnée pour ma première chemise puisque je n'avais pas fait de dos chemise. Je vais donc lui faire le col chemise classique. Pas encore, j'ai pas décidé pour les manches. On verra ça. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, je vais en profiter pour le rappeler que si vous manquez les codes promo chez Elsa, les petites périodes promo de 24 heures, vous pouvez aussi avoir les formations à prix réduit en passant par les liens que je vous mets en dessous de la vidéo. Donc ce sont des liens d'affiliation. Il y a un code à saisir que je vous renote là. Vous saisissez ce code et vous avez 20% sur la formation que vous voulez et sur les formations que vous voulez. Sauf qu'il vous faudra refaire la démarche. Si vous voulez 2 ou 3 formations, il vous faut refaire la démarche à chaque fois pour chaque formation. Bon, voilà, chemise Adrienne. Celle-ci, je ne vais pas tarder. C'est vraiment un truc que je vais porter maintenant en version chemise. Puis alors, cette couleur. On est d'accord que ça me va bien quand même. Je pense que c'est plus d'ailleurs des teintes comme ça, des verts, des mélanges de verts que je vais aller pour printemps-été. Ça me fait envie. Alors, autre tissu que j'ai pris chez Stop Tissu. Alors celui-là, en fait, plus je le vois et moins il me plaît. C'est très bizarre. Dans le magasin, il me plaisait. En fait, maintenant, il me plaît plus trop. Donc, c'est rouge et noir sur un fond crème un peu jauni. En fait, c'est ce fond un peu jauni qui me dérange. Mais c'est pas grave, je vais quand même le coudre, surtout que c'est de la popeline de coton, ou coton, je sais pas trop, c'est une popeline 100% coton, ça il nous l'a garanti.
Donc c'est pareil, c'est un tissu à 2 ou 3 euros le mètre, je ne sais plus. Je vais faire la chemise Maria du livre Ma garde-robe éco-responsable. Donc ce livre-là qui vous avait vraiment bien plu. D'ailleurs c'est aujourd'hui que sort le nom de la gagnante pour le tirage au sort, puisque ma petite mercerie m'avait permis d'offrir un exemplaire de ce livre à l'une d'entre vous, et vous avez été très très nombreuses à participer. J'ai eu plus de 700 commentaires sous cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas avoir attendu la fin du concours pour le commander, donc vraiment j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si toutefois donc vous mettez bien le @ et mon pseudo derrière. J'ai vraiment envie de voir ce que donnent les autres patrons. Donc pour ce tissu que j'aime moyen, je me suis dit que j'allais partir sur la... Alors attendez, je regarde comment elle s'appelle. C'est la chemise Maria. Alors c'est celle-ci avec le col Nérou. Elle me plaisait bien. Je pense que je la ferai en manches courtes pour le printemps. Ça me paraît un peu plus adapté puisque je vous rappelle que sur ce livre, vous pouvez moduler les longueurs de manches sur quasiment toutes les blouses et toutes les robes. Elle va peut-être davantage mettre en valeur le tissu. Là, en fait, je compte sur le patron pour mettre en valeur le tissu et pas l'inverse. Autre tissu qui nous vient de chez Stop Tissu, c'est une popeline de coton. Alors, c'est bleu avec des petits mélanges. Oh, j'adore les petites couleurs pastel qu'il y a au fond. Ça me plaît vraiment beaucoup, ça. Celui-là, je l'aime toujours autant. Je l'avais aimé dans la boutique et je l'aime toujours autant une fois chez moi. Je vais aussi faire un modèle du livre Ma garde-robe éco-responsable. Et cette fois, ça va être celle-ci. Donc, c'est la blouse Audrey, le top Audrey. Et je vais le faire avec des manches courtes. Parce que là, il est sans manches, mais moi, je vais lui ajouter les manches courtes. Donc, je pense que ça va être très joli aussi. J'aimerais bien faire une jupe longue en jean. Enfin, quelque chose d'assez léger, d'assez fluide. Voilà, c'est le genre de cousette que j'ai envie d'avoir. Peut-être une jupe culotte aussi. J'ai envie de faire des jupes culottes. Donc, il va falloir que j'en fasse parce que je vais vous en parler dans le focus qu'il y aura sur la jupe culotte Dresde pour celles qui suivent l'aventure. Donc voilà, ce petit top Audrey va être parfait dans ce tissu. C'est pareil, j'ai pas vérifié le métrage, j'ai pris 2 mètres, mais je sais que le monsieur est très généreux. Autre coupon de chez Stop Tissu. Alors je ne sais pas ce que c'est, je dirais que c'est un voile de coton ou voile de viscose, je ne sais pas si ça existe parce que c'est quand même assez transparent. J'en ai 2 mètres, les couleurs sont magnifiques. Regardez ça, c'est un vieux rose avec du bleu marine, un joli bleu marine. Ouais, c'est vraiment, je prends un peu de recul que vous voyez. J'aime beaucoup, j'en ai pris 2 mètres, mais je sais bien qu'il y a plus là. Là, il y a vraiment largement plus. Moi, je ne suis pas une fan des doublures de robes, si je peux éviter. Donc, je ne vais pas partir sur une robe, même si je pense que le métrage là serait suffisant pour faire une robe. Et c'est un des autres découpons pour lequel je n'ai pas encore de projet. Je ne sais pas, je pense que ça va être une blouse ou une chemise. Peut-être qu'il vous inspire quelque chose. Alors j'ai pas forcément envie de racheter un patron pour ça, je pense que je vais piocher dans ce que j'ai déjà. Je vous l'ai dit, depuis que j'ai la surjeteuse, je regarde différemment mes livres et mes magazines. Donc à suivre, rien n'est défini, mais par contre je sais que ça va être une très jolie cousette qui va vraiment être facile à porter sur un jean, encore une fois. Moi je porte beaucoup de jeans aussi au printemps, en fait je porte beaucoup de jeans toute l'année. Et bah, on verra bien. Toujours chez Stop Tissu, c'est ce coupon de chambray. Alors on va dire chambray. Alors j'ai dit on va dire chambray parce que j'ai un autre coupon de chambray qui m'a été offert, je vous le garde pour la fin. Du coup je peux comparer les qualités, c'est clair, c'est pas la même qualité. Celui-ci je dirais que c'est une qualité plutôt moyenne et l'autre que je vous montrerai en fin de vidéo, c'est quand même une très belle qualité et en plus ça tombe bien, c'est pas la même couleur. Pour ça, par contre, ça va être l'idéal. Je sais pas si on peut voir comment il est. Oui, bah vous voyez bien, puis c'est quand même très souple, hein, c'est assez fin, le dos est comme ça. J'en ai 3 mètres, c'était un coupon de 3 mètres chez Stop Tissu, je crois que c'était 12 euros les 3 mètres, donc évidemment c'est pas cher. À ce prix-là, j'avais vraiment envie de tester, ça fait un moment que le chambray me tente et je ne me suis encore pas décidée. Et là, je vais faire une robe Sophia, donc celle que je porte là. Donc c'est celle-ci du livre Ma garde-robe éco-responsable. Je vais la faire avec les manches, je pense, de cette longueur-là, peut-être un petit peu plus courte. Et je vais la faire en version extra longue comme celle-ci, comme celle que je porte. Et j'espère qu'elle va m'accompagner tout cet été, tout le printemps. C'est vraiment un truc que j'ai très très envie de porter et de coudre. Donc c'est pareil, celle-ci, elle va être vite cousue. Surtout que là, le patron est déjà découpé, j'ai déjà toutes les pièces sont prêtes. J'ai vraiment plus qu'à couper mon tissu et à coudre. Et vous savez bien que
l'étape de décalquer un patron, de le reporter sur sa bâche, de découper chacune des pièces, et bah tout ça, ça prend du temps en amont. Donc quand on l'a fait une fois, réutiliser un patron qu'on a déjà préparé de cette manière, forcément, on gagne du temps, et c'est quand même ce que je vais faire beaucoup pour cette association de tissus et de patrons. Oui, parce qu'en fait, tous les modèles que je vous dis là, vouloir coudre du livre Ma garde-robe éco-responsable, j'ai déjà décalqué pas mal de pièces de plusieurs des modèles au moment où je décalquais pour ma robe Sophia. Donc voilà, je sais que ça va pas me prendre un temps fou. Alors là, je vais vous montrer un voile de coton qui m'a été offert par Laurie. Donc elle me l'avait amené le jour du salon aiguille en fait, avec de très jolies broderies. Alors moi, je n'ai jamais cousu ça, mais quand elle m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit écoute, oui, pour tester, parce que franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est très joli, c'est très raffiné, voyez, coupon d'un mètre. Mais je me dis que ça va être l'occasion de tenter peut-être un petit top d'été. Je sais pas encore lequel, donc voilà, ça c'est encore un troisième coupon pour lequel je ne sais pas quoi coudre. Si vous avez une idée pour ce genre de tissu, un modèle qui demande un mètre maximum pour une taille 42, si possible qu'il y a un petit peu de manche, vous savez que je n'aime pas avoir mes bras totalement nus ni mes épaules totalement dégagées. Si vous avez une idée d'un patron qui irait très bien avec ça, eh ben allez-y les filles, je prends toutes vos bonnes idées. Vraiment, n'hésitez pas, vous êtes souvent vraiment source d'inspiration dans vos conseils et vos recommandations. Donc vraiment, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Alors là, maintenant, on va attaquer les tissus de Riesenstephen. Donc, il y avait le premier que je vous avais montré parce que bah, je l'avais rajouté en me disant, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc là, on passe à... Oui, c'est mes achats de Riesenstephen. Je regarde ma pile de tissus qui est là. C'est bien de Riesenstephen. Donc, c'est une popeline de coton qui était, je crois, à 4 euros le mètre et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc, c'est des plumes que vous avez dessinées un peu marron, rouille, sur un fond blanc. Je vais faire le top Julia de Bleu Tango, donc du livre Ma garde-robe éco-responsable. C'est celui-ci qui est comme ça. Voilà, j'aime bien ce... Je trouve que ça va être sympa dans ce tissu. Voilà, on imagine... Ça sert à rien que je le mette sur la tête de la fille. Donc j'imagine bien dans ce tissu, ça va sûrement être agréable à porter. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le porter, mais comme on a une base de blanc, bah, ce sera sûrement assez simple à accompagner. Ce patron n'est pas gourmand, j'avais pris que 1m40 chez Riesenstephen parce que je savais que je voulais faire ça, et il est recommandé 1m30. Donc voilà, j'ai pris une petite marge de sécurité. En général, chez DS, on n'est jamais déçu par la quantité. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir moins que ce que j'ai commandé. C'est même souvent plutôt l'inverse. Le prochain tissu qui nous vient aussi de chez DS. Alors, ça s'appelle gabardine polyester. Alors, je ne sais pas comment vous la voyez. Elle est un peu gris chocolat. Voilà, c'est ça que je dirais, gris chocolat. Donc, logiquement, c'est pas transparent. Je vais en faire une veste calasse. Alors, la veste calasse, c'est une formation aussi que j'ai prise chez Urban Ferry. C'est la formation veste... Manteau-veste, voilà, c'est ça, c'est manteau-veste. Vous avez plusieurs options. Donc la formation, elle était à prix de lancement pendant quelques jours à 30 euros. Donc je l'avais prise à ce moment-là. J'ai d'ailleurs créé un petit groupe sur Instagram pour les filles qui la cousent en même temps que moi. Et on est quelques-unes, je crois qu'on est une dizaine dans notre groupe Insta. Donc on s'échange nos petites avancées, nos choix de tissus, nos choix de versions, etc. Donc c'est toujours très sympa. Je pense que je vous ferai une vidéo totalement dédiée à cette formation et à ce patron. Je ne sais pas encore quand, ça devrait pas tarder. Je pense qu'une fois que j'aurai cousu celle-ci, que je vais doubler avec ceci. Oui, j'ai osé, j'ai eu envie de ce petit contraste. Donc ça va faire une doublure comme ça. Je ne sais pas encore si je lui mets une capuche parce que c'est une veste que vous portez avec ou sans capuche. Vous pouvez lui faire un col. Vous pouvez lui faire des poches ou pas, poches plaquées ou pas, des poches latérales ou pas. Donc voilà, selon la version, j'ai pris large. Je crois que j'ai 2m50 de ça et je dois avoir 2m50 de ça aussi. Donc c'est trop, hein, je ne vais pas utiliser tout. Mais au moins, je me dis que j'aurai pas besoin de calculer à tout faire absolument rentrer dans un petit coupon étroit. Donc ça, je vous en parle très vite. Je ne sais pas si cette formation, elle est déjà passée à prix réduit. Je crois pas. Parce que comme c'est la dernière formation, elle deviendra à prix réduit quand la prochaine sera sortie. La prochaine vidéo formation sera sortie. Mais je vous dirai ça pour celles que ça intéresse. Autre tissu de chez Riesenstephen, c'est un coton, coton blanc. Donc pareil, coton, donc par passé, ça sort de la machine. Coton blanc, hein, on ne peut plus basique, hein, voilà, on sait ce que c'est que du coton blanc. Et là, je vais faire une chemise Adrienne, pareil, classique. Donc la chemise de base,
celle qui va avec tout, celle qu'on porte sans se poser de questions, sans se prendre la tête. Et ça va être vraiment mon basique que j'ai envie de garder plusieurs années, à moins que je grossisse ou perde du poids. La première option est quand même un peu plus probable. Ça fait très longtemps que je veux faire un basique blanc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du coton que je veux, en fait. Je me dis que j'aurais voulu une matière peut-être un peu plus fluide. On verra ce que ça donne en coton. Si ça me plaît pas, mais que j'aime le côté blanc, enfin ça j'en suis sûre, ben, je verrai pour refaire peut-être quelque chose dans un tissu qui a un peu plus de fluidité que le coton. Autre tissu de chez DS, donc c'est un coton aussi, c'est une popeline de coton. Donc c'est un fond, je dirais gris, avec des marguerites, et ça m'a redonné envie de faire une blouse violette de Maison Fauve. J'avais fait une première blouse violette de Maison Fauve dans une viscose avec des marguerites, c'était une viscose à fond bleu marine, mais cette blouse avait rétréci au lavage puisque j'étais jeune, je ne lavais pas mes tissus avant de les coudre, et avec la viscose j'ai eu une très mauvaise surprise, donc cette blouse ne me va plus du tout. Donc je me suis dit, tu vas te rattraper, tu vas refaire ta petite blouse violette, c'est vraiment une belle qualité et j'ai pas du tout galéré au repassage, mais vraiment pas du tout. Alors le prochain projet que je veux réaliser, c'est la robe Lorraine bleu tango, donc toujours dans le livre ma garde-robe éco-responsable, et c'est dans cette viscose que je trouve magnifique de chez Driesenstoffen. J'adore ce tissu, j'adore les couleurs. Donc la chemise Lorraine, enfin c'est une robe chemise qui va long sur le corps. Elle vous avait beaucoup plu parce que je vous avais demandé de choisir votre modèle préféré du livre si vous gagniez le livre laquelle vous alliez coudre. Et en fait c'est celle-ci, mais elle se fait aussi avec des manches, et c'est comme ça que je vais la faire moi, avec des manches. Je la trouve vraiment très très jolie. Elle a une fermeture en fait à la ceinture, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est quand même assez original, ça ressemble pas à ce qu'on voit partout. Donc je vais la faire en version longue comme là, mais avec des manches. J'ai pris 3 mètres de ce fabuleux tissu. Transparente, bah, je crois que ça ira pour la robe, enfin, franchement aucun souci. Non, ça c'est l'envers, Audrey. Voilà, est-ce que vous me voyez à travers? Alors j'ai pas un puits de lumière derrière moi non plus. Mais non, je vois très bien parce que moi en revanche j'ai la lumière qui vient là et je vois pas à travers, donc c'est très bien. Encore la même qualité que celle-ci, je pense, au toucher, ça y ressemble en tout cas beaucoup. Donc vous voyez, l'imprimé, il est comme ça. Donc c'est peut-être un peu plus automnal, mais c'est pas grave, j'ai envie de porter ça maintenant. Voilà, on écoute ses envies, on laisse parler ses envies parce qu'on a, besoin de se faire plaisir. Le prochain projet que je vais réaliser, c'est dans cette viscose. Là aussi, vous allez me dire, mais c'est l'automne, Audrey. Mais c'est pas grave parce qu'Audrey adore ce tissu. J'adore cet imprimé. Donc, c'est encore une viscose. Hein. Les viscoses, je crois qu'elles sont à 3 euros le mètre chez DS. J'ai directement pris 3 mètres de ce tissu sur un fond noir. Voilà, c'est noir. Et dedans, je vais faire une robe Dresde pour cet été. Donc, je vais la faire en version longue. Et j'y ai pensé notamment pour vous refaire un focus sur le modèle de la robe Dresde. Donc, toujours pour celles qui suivent l'aventure Dresde, les patrons. Donc, ce sera la robe Dresde à suivre pour le printemps. Je pense que ça va être parfait comme il faut parce que j'adore cette robe en plus. Et dans ce tissu, je la visualise parfaitement. Prochain projet, toujours tissu DS. Donc, c'est une viscose un peu zébrée, je dirais. Fond noir et bleu marine avec des petites notes de beige. Alors là, je triche un peu parce que, en fait, je vous dis que je vais faire une robe Dita de Make My Lemonade. Mais en fait, je l'ai quasiment terminée. Donc là, je vous montre le coupon en vrac. Mais en fait, c'est une robe là. Mais je cache. Je vous montrerai ça dans un prochain bilan couture. Et je vous en parlerai plus en détail. Le tissu est superbe. Vous me direz ce que vous pensez de la robe. Je suis un petit peu moins convaincue par la robe que par le tissu, mais bon. Je vais la finir déjà. Elle est vraiment quasiment finie. Il me reste que des finitions à faire. Et il va falloir que je m'en occupe. Ça fait une dizaine de jours qu'elle est terminée et que je l'ai mise de côté pour l'instant. Prochain tissu, c'est un lin viscose, je dirais. Je crois que c'est ça, lin viscose. Toujours de chez Driesenstoffen. Donc, il est rayé gris-beige. Ouais, un truc comme ça. Donc, ça donne ça, et de plus près les petites rayures.
j'ai très envie d'en faire une jupe Cézanne de artisane. Alors j'ai sorti, je fais ça bien aujourd'hui, j'ai sorti le cahier. Donc c'est le livre 1, cahier 1 d'artisane. Donc il y a dedans la blouse Matisse, la veste Mao, Pagnol, oui c'est veste Pagnol mais elle a un col Mao. Et il y a dedans aussi la jupe Cézanne, donc que j'avais déjà faite en deux versions. Et je me suis dit que cette version-là pour le printemps, ça va être génial. C'est une matière hyper agréable à porter. On verra si ça se froisse beaucoup ou pas. Alors là, il a été lavé, mais vous voyez, il est comme ça en fait. Il ressort comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Une couleur passe-partout aussi. J'aime bien. À porter avec un t-shirt uni que je me ferai. J'ai décidé de me faire des t-shirts cet été. Maintenant que j'ai la surjeteuse, il va juste me falloir trouver le tissu. C'est tout. Voilà. Mes prochains achats sont faits chez Crafting Mercerie. En fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez Crafting et j'ai recommandé chez eux parce que mon fils voulait une couleur de jean particulière. Donc là, je ne l'ai pas mis dans mes associations parce que c'est une cousette pour mon fils. Et moi, du coup, j'en ai profité pour craquer pour un jean. Alors, je suis un petit peu déçue de la couleur. Je vous montre juste un bout parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à découper mon patron. Donc non, bah, ça ressort absolument pas. Je ne sais pas comment vous le montrer en fait. Il est un petit peu jauni. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Donc c'est du jean. Le grammage est pas mal. Je crois que c'est 280. Et je vais faire le blouson Pilar de Maison Fauve. Blouson pour lequel j'ai craqué au jour de sa sortie. Donc le blouson Pilar de Maison Fauve. Je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram si vous êtes sur Instagram. Donc ça fait partie de la nouvelle collection Fauvista de Maison Fauve. Et j'ai vraiment adoré. Alors je vais vous montrer les petits détails. Donc vous avez une option dos croisé ou dos droit. Moi je vais faire, j'ai découpé déjà pour dos droit. Par contre, bah là je vais reprendre absolument toutes les options qui sont là. J'ai regardé le tuto vidéo pour voir si c'était à ma portée. Je pense qu'avec le tuto vidéo, c'est justement à ma portée. Alors j'espère que je m'emballe pas. J'ai en tout cas déjà découpé mon tissu, donc j'espère que ça va vite prendre naissance ici pour que je puisse vous en parler et surtout que je puisse la porter parce que c'est vraiment une cousette qui me fait envie. Et aussi, comme je faisais partie des, je sais plus si c'était 100 ou 500 premières commandes à commander le patron pochette, j'ai reçu un petit carnet de couture Maison Fauve. Alors, tout est toujours de très belle qualité hein, chez Maison Fauve. Vous recevez votre patron, il est parfumé, c'est emballé dans du papier de soie. En bref, c'est toujours très très joli. Puis vous recevez un petit échantillon des tissus aussi. Évidemment, je ne vais pas craquer parce que ce n'est pas dans mes prix, mais je vous promets que ça me fait bien envie. Et donc, ce petit carnet de couture bah, qui se présente comme ceci, bah, je me suis dit que ce carnet, j'allais vraiment le réserver à mes coutures Maison Fauve. Comme j'en fais régulièrement dans l'année, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et bah, ça commencera avec, là, j'ai déjà la blouse violette et j'ai le blouson Pilar. Je vais noircir les pages correctement pour garder toutes les infos qui me seront utiles sur ces patrons. Et chez Crafting Mercerie, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai aussi pris deux autres coupons. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est un coupon de lainage bleu marine. Mais alors, vous voyez là, ça rattrape toutes les cochonneries. Et à mon avis, ça va être un enfer à porter, ce truc. Donc, je l'ai quand même payé, je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus. Il va déjà falloir que je lui fasse un bon petit coup de rouleau attrape-poussière, attrape-poil. Donc, j'en ai pris un métrage suffisant pour réaliser un projet que j'ai tellement hâte de réaliser. J'ai déjà décalqué le patron, donc je vais gagner du temps au moment où je voudrais le coudre. Donc, c'est la cape capucine de Clématis Pattern. Donc, c'est aussi un patron pochette que j'ai acheté sur le salon Aiguille, en fait. Et alors, cette cape capucine, vous pouvez la faire avec soit ce petit col montant, soit sans le col. Vous pouvez choisir aussi le nombre de boutons. Sur le salon, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait voir toutes les réalisations qu'elle avait faites. Donc, il y avait ces deux versions. Il y avait une version boutonnée de haut en bas, il y avait une version avec deux boutons, une version avec un seul. Bon, je pense que ça va me plaire. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment pour coudre ça, parce que le lainage, là, il me paraît quand même de top qualité. J'avoue que il est vraiment beau, il est beau, bonne qualité, je pense pas qu'il va bouger beaucoup, en tout cas j'espère. J'ai envie de le coudre, mais je sais pas encore si je le couds maintenant ou si je me le garde pour le week-end de septembre ou d'octobre, parce que j'ai un week-end manteau avec les filles qui sont déjà venues en janvier, je crois. Donc je sais pas encore, on va voir si j'ai le temps, je la réalise avant pour en refaire une deuxième justement au moment de ce week-end de couture manteau avec les filles.
Mais c'est vrai que le temps, là en ce moment, là c'est une semaine magnifique. Oui, on n'a pas fait de point météo, mais j'espère que c'est pour tout le monde pareil. Et là j'ai un temps magnifique. Ça donne pas envie de toucher de la laine et de coudre de la laine. Donc voilà, c'est ce qui me fait un peu hésiter sur est-ce le bon moment ou pas pour coudre ce projet. Et pour coudre ce projet, bah, il me faut une doublure et j'ai décidé d'y aller franco et de trancher. Donc ce serait une doublure bleu ciel pour que ça reste cohérent. Alors avant-dernier projet, mais celui-là, bah, je ne sais pas encore ce que je vais faire et pourtant j'adore le tissu. C'est un tissu qui m'a été donné pendant le troc tissu par Juliette. Donc c'était au mois de mars pendant le Coven Ostara chez Marion. Et ce tissu est magnifique, moi j'en adore les couleurs, je suis très contente d'avoir pu le récupérer, je ne sais pas si j'étais toute seule à le vouloir. Et c'est un tissu qui ressemble beaucoup, vous voyez il est comme ça dans le dos, il ressemble beaucoup à celui dans lequel j'avais fait ma jupe Dresde, la longue là, un peu bariolée. Et je ne sais pas encore, alors il y a un métrage, il y a 1m50, quelque chose comme ça, je ne sais pas, peut-être un pull, je vais peut-être faire un pull, un petit pull illico ou ouais peut-être ça, c'est pas mal ça. Bon je pense que ça va partir sur un pull en tout cas. Qui sera facile à porter bah, avec du noir, du blanc ou même du marron, puisqu'il y a des petites notes de marron. Donc merci à toi Juliette, j'aime beaucoup ce tissu. Et le dernier coupon que je vais coudre et qu'il me tarde de coudre, c'est un chambray magnifique qui m'a été offert par Anaïs de la chaîne Coûte et Rêve. Mais Anaïs, elle a voulu me faire un petit cadeau, sans raison, elle est trop choupette. Anaïs, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un avec qui je parle quasiment tous les jours, c'est quelqu'un que j'ai vu et que je vais revoir, on se voit très bientôt. Je suis très contente de ce petit cadeau, surtout qu'Anaïs, elle m'a emballé ça dans un truc, mais c'était magnifique. Avec, enfin, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, elle a même prévu des petits boutons avec... vraiment trop chouette. Donc ça va être une chemise, oui, ça va être une chemise en chambray. Je ne sais pas encore vers quel modèle je vais partir, j'hésite encore. J'ai pas envie de me planter parce que là c'est vraiment un tissu de très belle qualité. Donc je vous redirai ça, une chemise c'est sûr, laquelle, je ne sais pas. Bref, j'ai été gâtée, mon Dieu que j'ai été gâtée. Merci ma petite bichette, ça me fait tellement plaisir avec ta petite carte, tout ça. Enfin voilà, trop bien, trop bien. Vous voyez, c'est ça un peu aussi bah, les réseaux sociaux. C'est pas que du faux semblant ou du paraître, il y a des vraies relations qui se nouent. Je pense là tout de suite à l'une de vous qui m'avait laissé en commentaire sur Instagram « Moi, je verrais bien ce tissu-là dans ça » et puis qui ajoutait après « Mais en fait, je m'aperçois que je te prends un peu comme... je te considère un peu comme ma copine. » Mais en fait, c'est ça, à force de discuter avec les gens, et puis alors si on a vraiment la chance de se rencontrer, parce que dès qu'on se rencontre avec les week-ends chez Marion ou d'autres moments, pour les Parisiennes, c'est plus facile de se rencontrer, mais pour celles qui viennent de loin et qu'on peut organiser un week-end chez Marion, les liens ne sont évidemment plus les mêmes, il se crée quelque chose et on devient vraiment des copines de couture. C'est le cas pour Anaïs notamment, à qui j'ai des liens particuliers. Voilà les filles, j'en ai terminé, ça a été un petit peu long, je vois que là j'en suis à 46 minutes, donc ça vous permettrait de voir ce que j'ai coupé au montage. Pour terminer, je vais ajouter que bientôt sort le focus sur la chemise Dresde de Direndo. Je sais pas si ça va être une vidéo du mercredi ou du samedi, mais ça va venir très vite. Il va y avoir aussi la vidéo focus sur la surjeteuse et la formation Urban Ferry. Bon bref, il va y avoir plein de choses, je ne sais plus lesquelles. Vous devez vous dire, elle nous a présenté une vingtaine de projets, comment fait-elle? Ouais, je sais que c'est ambitieux, je l'avais dit en début de vidéo. Alors je rappelle juste que moi j'ai deux enfants, mais qu'ils sont grands, hein, 17 et 21 ans, ils se gèrent tout seuls. Il y a des moments vraiment où je peux m'accorder 5-6 heures de couture non-stop, si je m'y mets à 18h jusqu'au soir, sans qu'ils me demandent quoi que ce soit. Ils savent très bien, maman, on lui fout la paix, et ils font leur truc aussi. Voilà, c'est comme ça que les choses peuvent se passer pour moi, donc je comprends que pour certaines c'est pas possible, surtout si vous avez des enfants en bas âge, ça change absolument tout. Moi j'ai donné aussi pour les enfants en bas âge, sauf qu'à l'époque je ne cousais pas, donc le temps pour coudre ne me manquait pas en ce temps-là, je savais même pas que c'était possible de faire des vêtements de cette manière. Ça y est, j'ai fini, j'arrête. Ben, je vous souhaite un super week-end, les filles, profitez bien. J'espère que vous aurez du temps pour coudre si vous avez envie de coudre et du temps pour autre chose si vous avez envie de faire autre chose. J'espère aussi que vous allez bien. Je suis toujours contente de lire vos commentaires, vos retours, que ce soit sur YouTube ou sur mes posts Instagram aussi. Merci pour vos abonnements. Le nombre d'abonnés ne cesse de grimper tous les jours et ça fait vraiment plaisir. Et ben, on va essayer de continuer et de faire encore mieux. Et puis tout ça, ben, c'est pour vous, c'est grâce à vous, c'est avec vous. Bref, on s'éclate. Bisous les filles, à bientôt. Ciao.